Rien, navette, Navas et le Paris Saint-Germain l'a très très bien compris. Priviet, c'est Johanna Swan et c'était impossible pour moi de faire une vidéo sans parler, bien sûr, de Keylor Navas. Mais pourquoi je parle de Keylor Navas? Eh bien, il suffit justement de regarder un petit peu les nouvelles. Et attention, roulement de tambour. Allez, non, pas un roulement de tambour. Big gaffe, c'est encore mieux. Keylor Navas a prolongé au Paris Saint-Germain. Regardez comme il est beau, regardez comme il est fier avec son maillot. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Son maillot, bien sûr, je le kiffe puisqu'il porte la mention 2024. Donc, c'est une prolongation jusqu'en 2024. Donc, le gardien de 34 ans de Costa Rica qui a fait énormément de sélections, qui a été extrêmement présent au Paris Saint-Germain et qui a été décisif avec un nombre incalculable de clean sheets. Est-ce que je vous dis les statistiques? Bien sûr que je vais vous dire les statistiques. J'avais déjà fait une vidéo sur Navas et je vous conseille de la regarder. Je vais la mettre juste ici, justement, en début de saison. J'ai fait une pause sur cette vidéo, je vais les reprendre. Donc, c'est pour la saison 2020-2021, c'est 25 matchs joués. Donc, c'est 2160 buts, 25 titularisations, du coup, et deux remplacements. Juste avant, bien sûr, il était au club de Real de Madrid. Et donc, du coup, c'est un super coup qu'on leur a fait, sachant qu'ils ont quand même fini récé. Donc, du coup, on est plutôt bon là-dessus. Donc, en termes de gardien, c'est un taux de réussite de 78,4%. Et là, je parle que pour cette saison. 12 clean sheets, 0 ballon capté, 6 dégagements des points, 0 ballon relâché, 1 penalty arrêté. Et je suis sûre qu'on se rappelle duquel, 16 dégagements. C'est très important. En termes de passes, c'est 85% de passes réussies sur un total de passes de 554 passes. Il n'y a eu 471 réussies. C'est 23,1 passes par 90 minutes. 50,6% de taux de réussite sur les passes longues. La direction des passes, forcément 0 en arrière parce que c'est un gardien, donc ça voudrait dire but. C'est 50% vers l'avant, 27,6% du côté gauche, 22,4% du côté droit. Passes réussies par zone, c'est 29,2% dans la moitié du terrain adverse et 82,4% propre dans la moitié du terrain. Donc c'est, pour moi, c'est des belles statistiques, hein, parce que c'est quand même un gardien. Il a subi 2 fautes, il en a concédé 0, il s'est pris 0 carton jaune et 0 carton rouge. Donc c'est un petit peu important d'avoir un petit peu ces stats-là. Donc il est arrivé dans la saison en 2019-2021 et à l'époque, c'était 21 matchs joués avec 1890 minutes jouées avec 21 titularisations et 0 remplacement. Donc, c'est très important. Les stats, elles ne sont pas vraiment différentes. Il y a juste un taux d'arrêt qui est un petit peu inférieur, 73,1%, 11 clean sheets, 3 ballons captés, 5 dégagements des points, 0 ballon relâché, 0 pénalty arrêté et 9 dégagements. Quand il s'agit justement des passes, c'était 84,5% de taux de réussite et les passes longues étaient seulement à 46%. Ben, c'est déjà très bien, mais vous voyez un petit peu la différence. Donc à l'époque, c'était 466 passes sur un total avec 394 passes justement réussies. Donc c'est 22,2 passes par 90 minutes. Justement, la direction des passes, c'était un petit peu inférieur. Dans la saison dernière, c'était 47%, c'était des passes vers l'avant, 29,2% vers la gauche, 23,1% vers la droite. Donc, le taux de réussite par zone dans la moitié du terrain adverse, c'était de 19,6 contre 82,5 sur la moitié du terrain. Bien sûr, en termes de discipline, c'était une faute concédée, une faute subie et toujours 0 carton jaune sur
sur zéro carton rouge. Pourquoi c'est important d'avoir justement notre Keylor Navas justement qui soit prolongé au Paris Saint-Germain? Je trouve que c'est un très bon timing. On ne s'attendait pas. Vous savez, bien sûr, Leonardo est toujours en mode soum-soum, il fait les choses, il ne dit rien. Mais il faut savoir que ça va lui donner un petit peu plus de force mentale face à Manchester City pour justement lui prouver à quel point on lui fait confiance, pour le remercier. C'est un gardien qui est quand même l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je n'oublie pas donc quand même notre cher et tendre Bernard Lama. Quand même, c'est quand même mon chouchou aussi au Paris Saint-Germain en termes de gardien. Ça change d'aile, tout simplement. Enfin, c'est un petit peu de poids de mesure. Et donc du coup, je suis extrêmement contente bien sûr de sa prolongation. Je n'étais pas censée faire une vidéo, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette annonce qui fait extrêmement plaisir. Donc, pour information, le Costa Rica, c'était 92 sélections justement pour son équipe nationale, et puis chez les rouges et bleus, c'est quand même 72 matchs. Je suis plutôt contente. Hein. Il a quand même fait pas mal de clean sheets, une trentaine de clean sheets du tout au total avec ces deux saisons. On lui espère une très belle continuation. J'ai pas de réserve par rapport à son âge de 34 ans, puisque les gardiens, ils ont quand même une durée de vie un petit peu plus longue dans le football. Et puis quand on voit Zlatan, ça prouve très bien qu'avec une très bonne hygiène de vie, on peut durer sur le terrain. En tout cas, excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On lui souhaite bien sûr un excellent match. On se voit demain pour l'avant-match justement de Manchester City qui se déplacera au Paris Saint-Germain. Et on va faire la compo probable ensemble après bien sûr la conférence de presse de Mauricio Pochettino. Et vous savez déjà qui sera pour moi aligné dans cette compo probable. C'est bien sûr Navas. Sur ce, bah, c'est la fin. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Je suis extrêmement contente, bien sûr, de mon Keylor Navas, pardon, où je n'arrête pas de dire dans les vidéos Navas, je t'aime, quand il fait des arrêts spectaculaires, et heureusement qu'il est présent. Navas, c'est quand même avant tout un mur très difficile à prendre, et ça fait plaisir d'avoir un gardien de cette envergure au Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les j'aime pour donner la force à la vidéo et pour en sorte qu'elle soit apparaissante un petit peu plus facilement dans le référencement. C'est gratuit, ça mange pas de pain comme on dit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais encore plus important, c'est d'activer la cloche pour les notifications pour ne rater aucun live, aucune future vidéo. J'ai bien sûr tous mes lives qui sont listés dans les diffusions en direct à venir, donc vous pouvez mettre des rappels si vous voulez rien manquer, mais vous pouvez aussi aller dans l'onglet communauté et regarder justement le programme de la semaine. Donc j'avais prévu 9 vidéos. Bon là, avec Navas, ça fait une 10e, ça ne me dérange pas, je peux même en faire une 11e ou une 2e. Il y a d'autres bonnes nouvelles justement de prolongation au Paris Saint-Germain. Sur ce, très bonne semaine à vous, je vous embrasse et à très bientôt. Et surtout, vive le Paris Saint-Germain. Ciao, merci pour votre fidélité. Oui, la lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête. Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.